Avec RCF, nous préparons Noël ensemble. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour cette première soirée de la foi en direct depuis le diocèse de C et plus spécialement depuis les studios de votre radio RCF 61 et de votre web TV diocésaine à Alençon. Bienvenue pour ce rendez-vous mensuel en compagnie de notre évêque, Monseigneur Jacques Habert. Monseigneur Habert, bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir Hubert. Alors, au nom des auditeurs de RCF et des internautes qui nous suivent en direct vidéo, d'abord un grand merci pour votre disponibilité pour ces rendez-vous. Des rendez-vous qui, nous l'espérons, seront largement suivis tout au long de cette année de la foi. En effet, un mercredi soir par mois, vous nous proposerez un temps de réflexion en lien avec notre foi chrétienne et aussi parfois en lien avec l'actualité. Ce soir, vous avez choisi de traiter plusieurs sujets. Un premier autour du temps de Noël qui arrive dans quelques jours. Un autre relatif au projet de loi de mariage pour tous, le mariage dit pour tous. Et si nous avons le temps, on verra un dernier sujet concernant le Concile Vatican II ou la nouvelle évangélisation. Alors, le principe de la soirée en direct est simple, il se veut interactif, c'est-à-dire que nous vous écouterons une dizaine de minutes sur chaque sujet, puis pendant la pause musicale, chacun pourra poser ses questions ou remarques en direct. Voici donc la procédure à suivre. Alors, pour ceux qui nous écoutent en direct sur RCF 61, eh bien, vous pouvez appeler le standard de RCF. Je donne le numéro de téléphone tout de suite, le 02. 33 80 20 61 02 33 80 20 61. Merci d'être bref pour poser votre question et puis d'être patient si la ligne est occupée. C'est Renaud Jules, directeur d'antenne de RCF 61, qui nous transmettra les questions que vous aurez posées. Donc vous ne parlerez pas directement à Monseigneur Habert, on n'entendra pas votre voix sur les ondes, mais nous retransmettrons votre question à l'antenne. Pour ceux qui suivent en direct vidéo sur Internet, eh bien, vous pouvez nous suivre sur deux sites Internet. Le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr ou plus largement dans le monde francophone sur www.directcatholique.fr. Toutes les indications vous seront données sur le site, c'est assez simple à utiliser. Vous pouvez donc réagir en direct à tout moment par la fonction chat. Vous pouvez déjà même nous dire bonsoir, pourquoi pas, pour faire un essai pour les internautes, vous entraîner, puis nous dire pourquoi pas non plus de quel endroit du diocèse ou du monde vous nous suivez. Voilà, donc je propose, Monseigneur Habert, eh bien, qu'on commence tout de suite, sans plus tarder, avec une première intervention. Vous allez peut-être tout d'abord, en premier lieu, nous parler donc du temps de Noël. Hein. Oui, et encore une fois, Hubert, je vous remercie d'avoir mis en place cette initiative. Lorsque nous étions à Rome avec les évêques pour la visite ad limina, eh bien, la Congrégation pour la communication sociale nous demandait justement d'être inventif et d'être innovant. Alors lorsque nous avons préparé l'émission, nous avons évidemment pensé que le thème de Noël s'imposait. Dans quelques jours, nous allons, avec des centaines de millions de chrétiens à travers le monde, eh bien, célébrer la naissance de l'enfant Jésus. Et cela va se vivre dans des conditions, nous le savons, très diverses. Ceux qui vont le vivre dans de très belles cathédrales avec de très belles liturgies, sauf ceux qui vont le vivre dans des contextes plus difficiles, de pauvreté, voire de conflits. Et puis, voilà, chacun sera donc de toute façon au pied de la crèche de Bethléem. Et ce qui est très beau, c'est qu'au-delà de ceux qui vont célébrer religieusement Noël, cette fête, nous le savons bien, réjouit des personnes bien au-delà du strict cadre chrétien. Et c'est dans ce sens que j'avais proposé un édito pour les journaux de la presse locale en Normandie à l'occasion de Noël avec le titre « La trêve de Noël ». C'est une expression qui remonte à la Première Guerre mondiale, lorsque les belligérants s'arrêtaient quelques heures ou quelques jours autour de ce temps de Noël, car Noël est effectivement un peu comme un langage universel. Et cette trêve de Noël, eh bien, je la considère à la fois un peu comme un constat, mais surtout comme un souhait. Le constat qu'effectivement, beaucoup en ce temps vont faire des efforts pour plus de fraternité, de solidarité, de gentillesse, de partage. Mais aussi un souhait que ce temps de quelques jours, eh bien, ce soit finalement ce qui donne un peu la norme de ce que nous vivons tout au long de l'année.
Cette trêve, donc, elle est donnée par un enfant, l'enfant de Bethléem, et il y a dans sa simple présence, finalement, son regard sur nous, un message de paix, un message de fraternité qui peut toucher tout individu, quelle que soit finalement sa foi ou ses croyances. Alors, nous, chrétiens, d'abord, peut-être, sachons reconnaître avec une grande reconnaissance tous ces efforts vers la paix, vers la concorde. C'est un peu ce sens du message des évêques à l'issue du synode sur la nouvelle évangélisation. Les évêques nous demandaient de savoir nous arrêter auprès de ces lieux où les hommes et les femmes de notre temps aiment à se poser, aiment à venir finalement peut-être aussi déposer toutes les questions qui font le cœur de leur existence. Et il me semble que le temps de Noël est un temps favorable pour cela. Mais aussi à nous chrétiens de prendre la mesure de ce message. Comme vous l'avez dit, nous sommes entrés dans l'année de la foi, une année où le pape Benoît XVI invite tous les catholiques, tous les chrétiens, à approfondir leur foi, et notamment leur foi dans le mystère de l'incarnation. Cette incarnation qui toujours nous prend en quelque sorte à contre-pied. Nous avons un certain nombre d'images de Dieu, nous avons des représentations de sa puissance, de sa sainteté, de la façon dont il pourrait agir, et nous sommes toujours démunis finalement devant cet enfant qui est fragile, qui est entouré de ses parents et de quelques animaux que la tradition nous fait reconnaître. Le risque pour nous, c'est celui de la routine, celui de l'habitude. Aussi, j'invite vraiment les chrétiens en ce temps de Noël à passer du temps devant la crèche, car c'est une prière d'une très grande force, même si parfois elle peut nous paraître un peu enfantine. Mais lorsque nous contemplons l'enfant nouveau-né, nous méditons aussi sur ces deux noms. Il est à la fois l'Emmanuel, Dieu avec nous, et cela nous réjouit, cela nous console et cela nous réconforte, parce qu'il continue encore aujourd'hui d'être avec nous. Mais il est aussi Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Il ne vient pas nous rendre une simple visite de courtoisie, mais il vient vraiment pour nous sauver. Et nous savons que toute sa vie, tout son ministère sera marqué par ce souci, ce projet de la rédemption. Et d'ailleurs, juste après sa naissance, eh bien, nous savons que nous fêterons aussi dans le temps de Noël le massacre des saints innocents. Alors oui, passons du temps devant la crèche. C'était l'intuition profonde de saint François d'Assise. Nous nous retrouvons en nous posant peut-être la question, eh bien moi, où suis-je dans cette crèche? Quelle est ma place? Quel est mon regard? Quel est aussi le regard que cet enfant pose sur moi? Et ce temps de contemplation, encore une fois nécessaire, eh bien, s'accompagnera en même temps d'un temps de conversion. La fête de Noël est l'occasion de nous demander comment, concrètement, ce message va nous transformer. Souvent, on se pose la question, au terme de ce temps qui dure quelques jours, quelques semaines, est-ce que j'ai passé un bon Noël? Eh bien, la réponse se trouve dans cette question finalement de savoir si nous avons été transformés dans notre rapport à Dieu, si nous avons approfondi cette compréhension du mystère de l'incarnation, du Dieu fait homme, et est-ce que aussi j'ai été transformé dans mon rapport aux autres. J'aime beaucoup ce verset de l'Évangile lorsque l'on parle de la fête de l'Épiphanie et que les rois mages, après s'être prosternés devant l'enfant, eh bien repartent chez eux. L'Évangile précise, ils repartirent par un autre chemin. Alors est-ce que nous, vers la moitié du mois de janvier, nous aurons vraiment la conscience et la joie aussi, espérons, d'avoir à emprunter maintenant de nouveaux chemins, ceux que le Seigneur, par son incarnation, ne cesse de nous ouvrir. Alors ça m'amène à vous poser peut-être une première remarque, une première réflexion, pendant que peut-être que les internautes ou les auditeurs veulent déjà d'ores et déjà appeler ou réagir sur ce thème du temps de Noël, qui va peut-être pas susciter énormément de questions. Mais dimanche dernier, donc vous étiez eh bien auprès des Scouts et Guides de France à Saint-Jean-de-Flers, et c'était l'accueil de la lumière de Bethléem. Et dans l'homélie, vous avez surtout insisté sur le fait qu'avant de donner, eh bien il faut savoir recevoir. Oui, une belle célébration joyeuse avec beaucoup d'enfants, de Scouts de France notamment, puis aussi des paroissiens. Et c'est vrai que le geste de donner une bougie est un langage universel. Même pour quelqu'un qui n'est pas croyant, recevoir une bougie, eh bien, peut être compris comme un signe d'attention, un signe de service, un signe d'affection.
Et en même temps, voilà, on ne peut donner cette bougie avec attention que si soi-même on a pris le temps d'accueillir celui qui en est le signe et le fait que cette lumière venait de Bethléem, et c'est vraiment une très très belle démarche, eh bien voilà, nous incitait non pas simplement à être généreux, encore que c'est certainement un des fruits de Noël, mais aussi à nous convertir, c'est-à-dire à toujours mieux comprendre d'où vient cette lumière et quelle est finalement la personne qu'elle signifie pour nous, l'enfant Jésus. Et j'étais impressionné de voir comment tous ces enfants, au terme de la célébration, recevant cette bougie, eh bien, étaient à la fois très heureux et en même temps se sentaient responsables d'avoir à la porter autour d'eux. Et j'espère qu'ils prendront eux aussi du temps devant cette crèche. Alors je vous propose de faire une première pause musicale, Monseigneur Haber, l'occasion pour les auditeurs de RCF 61 et puis les internautes de réagir en direct. Surtout n'hésitez pas à appeler au 02 33 80 20 61, donc c'est le numéro de téléphone du standard de RCF 61 à Alençon. Renaud Jules vous répondra, ou par internet, par chat. Vous êtes quelques dizaines à nous suivre sur internet. On fait une première pause musicale. Je vous propose d'écouter un extrait d'un album qui a été distribué par certaines paroisses au moment de Noël. C'est l'album du groupe Push, avec justement, on parlait de la lumière de Bethléem, ce thème de Noël à Bethléem, des CD que l'on peut offrir à ses voisins. On écoute tout de suite Lumière à Noël à Bethléem. Un bleu vent.
Vous écoutez RCF dans l'Orne à Alençon sur 93.8, à La Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8. Et je rappelle donc que vous êtes en direct sur les ondes de RCF 61 de 21h à 22h pour les soirées de la foi, en direct avec Monseigneur Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Vous pouvez suivre cette émission en direct également et en vidéo. Vous aurez l'image sur le site internet du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, ou pour les francophones du monde entier, il y en a peut-être qui nous écoutent de loin, sur directcatholique.fr. Mais il faut juste tenir compte du changement, du décalage horaire. Alors nous avons parlé avec Monseigneur Jacques Habert en première partie du temps de Noël. On n'a pas eu de questions directement sur ce sujet, Monseigneur Habert. On en aura, je pense, peut-être un petit peu plus sur le second thème qui vient, puisqu'on va parler maintenant du projet de loi sur le mariage pour tous, qui fait débat en ce moment, ou qui ne fait peut-être pas encore assez débat. Je précise que pendant que vous parlez, je diffuse sur le site internet des images de crèches de Noël réalisées par les paroissiens du diocèse de C dans certaines églises. On a vu des images de la crèche de la cathédrale de C, de la basilique Notre-Dame d'Alençon, et on va découvrir d'autres lieux pendant que vous parlez. Alors, Monseigneur Habert, je vous laisse nous parler de ce sujet grave et important. Je sais que vous sortez d'une grande soirée à Crulé près de l'Aigle. Il y avait, je crois, 400 personnes. C'était un débat, il y avait plusieurs intervenants. Hein. Oui, un débat qui a attiré beaucoup de personnes, donc à peu près 400. De même qu'un débat avait eu lieu au CET de Caen le 26 novembre, et là aussi la salle était trop petite pour accueillir tout le monde. Donc on sent que c'est vraiment un sujet d'une grande actualité qui préoccupe beaucoup nos contemporains, et les dernières nouvelles ne sont pas forcément très optimistes quant à l'évolution de ce projet de loi, puisqu'il semblerait que au-delà même de la question du mariage et de l'adoption, il y a aussi la question de ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée, qui soit bien incluse dans ce projet. Alors, vous le savez bien, l'Église en parle depuis des mois, et notamment pour nous, les évêques de France, ça a été à l'occasion de la dernière assemblée de plénière de l'Épiscopat au mois de novembre, hein, les prises de parole du cardinal 23, qui est aussi le président de la conférence épiscopale. Et d'emblée, nous avons voulu nous situer sur un domaine qui n'était pas spécifiquement religieux, en tout cas dans nos prises de position publique, c'est-à-dire que nous ne parlons pas d'abord de morale ou de catéchisme ou de vie spirituelle, mais nous nous situons sur un registre où l'Église essaye d'être au service du bien commun, au service de notre humanité, et donc où elle se présente comme celle qui veut vraiment protéger cette institution du mariage qui est très ancienne et surtout qui est très structurante pour toute la société. Alors effectivement, c'est un peu le premier argument que nous donnons, hein, et qui fait que nous prenons la parole, c'est le fait que le mariage soit quelque chose qui est encore une fois structurant pour toute la vie sociale, pour les enfants, pour les parents. Et ce que nous voulons un petit peu dénoncer, c'est qu'il ne s'agit pas simplement d'étendre ce qui est le mariage aujourd'hui à une catégorie particulière qui serait les personnes homosexuelles, mais ce qui est en jeu est d'un autre ordre, c'est vraiment de mettre en place une autre définition du mariage pour que les personnes homosexuelles puissent entrer dans cette institution. Donc en fait, le résultat ne serait pas finalement d'instituer un mariage pour tous, même si l'expression est très sympathique, mais ça serait de transformer pour tous le mariage afin que quelques-uns puissent en bénéficier. Et je faisais tout à l'heure allusion à la conférence qui a eu lieu à Caen, là, en novembre dernier, et le maître de conférence, M. Raoul Corneille, indiquait que dans ce projet de loi, ce sont pas moins de 130 modifications qui seront apportées, et à 82 articles du Code civil, et notamment les notions très structurantes de père et de mère seraient absorbées dans un terme plus général de parentalité, de parenté, hein, sur l'acte civil, par exemple, ce ne serait plus le père, la mère, mais le parent 1 ou le parent 2. Et finalement, cela nous renvoie à ce qu'est la définition du mariage. Encore une fois, c'est une institution ancienne, et elle a une finalité très précise. C'est un homme et une femme qui s'engagent devant la société, d'abord à vivre dans la fidélité, dans le soutien mutuel, et aussi à avoir des enfants et à fonder une famille. Ainsi, cette situation du mariage n'est pas quelque chose qui peut s'étendre à toutes les autres
situations existentielles, d'ailleurs des gens vivent sous d'autres formes, il y a d'autres formes de vie commune, le concubinage, le pax, mais pour l'Église, ce mariage est déterminant à la fois pour les enfants, mais aussi pour l'équilibre de vie de toute la société. Voilà, donc ça c'est le premier argument qui fait d'ailleurs que parfois on nous reproche, mais finalement pourquoi est-ce que vous intervenez alors même que le mariage religieux, le sacrement du mariage, n'est pas du tout en jeu dans la discussion. Et c'est vrai que c'est des fois un peu un paradoxe que j'avais d'ailleurs moi-même éprouvé lorsque j'étais prêtre et que je préparais des jeunes au mariage, c'est que c'était moi le prêtre ou moi le curé qui insistait beaucoup auprès des fiancés sur l'importance de ce mariage civil que souvent ils considéraient un petit peu avec une certaine légèreté en disant « bon, voilà, c'est une formalité de passer devant monsieur le maire ». Eh bien non, ce n'était pas une formalité parce que c'est justement tout un équilibre de la société qui serait remis en cause si ce mariage n'existait plus, encore une fois, dans ces deux engagements essentiels de la fidélité, du soutien et puis de la fondation d'une famille. Les familles sont vraiment, pour nous, chrétiens et pour beaucoup d'autres hommes et femmes de bonne volonté, eh bien, vraiment une structure essentielle. Et nous le voyons bien lorsque nous sommes, par exemple, dans les permanences du Secours catholique, combien de personnes qui souffrent, qui sont fragilisées, parce que justement il y a des cassures et des brisures dans leur famille, hein, et qu'ils sont parfois dans un profond désarroi. Donc la forme ordinaire finalement dans laquelle un être humain peut s'épanouir, eh bien c'est ce cadre familial qu'il nous faut absolument protéger. Voilà sur ce premier point de notre argumentation qui est celle de la défense de ce mariage. L'autre point c'est bien sûr la question des enfants. En effet, la possibilité de se marier pour les personnes de même sexe induit inévitablement la possibilité pour eux d'adopter des enfants. Sinon, on serait uniquement dans la reconnaissance d'un sentiment amoureux entre deux personnes, mais là, ça ne demande pas le mariage. Donc le mariage a toujours eu cette fonction sociale d'encadrer la transmission de la vie. Alors justement, par rapport à cette question de l'adoption, chacun sait qu'aujourd'hui, pour des couples qui veulent adopter, c'est un véritable parcours du combattant, que les personnes qui veulent adopter doivent vraiment vivre un certain nombre d'épreuves, d'entretiens, de faire la vérité sur leur motivation. Et personnellement, ayant accompagné un certain nombre de couples qui adoptaient des enfants, j'ai mesuré combien c'était une question très délicate, à la fois pour les parents et aussi pour les enfants. Alors le principe même de l'adoption, nous le savons, n'est pas simplement de permettre à des familles qui n'ont pas d'enfants d'en avoir, mais c'est de donner à un enfant qui est privé de famille par les accidents de la vie la possibilité d'être élevé dans une famille et dans le cadre qui soit le plus structurant possible. Or, on le sait bien, le nombre d'enfants adoptés est bien inférieur au nombre de familles potentielles d'accueil, et donc la logique, un petit peu inévitablement, et je l'évoquais au début de l'émission, la logique c'est que le projet de loi va vraisemblablement s'élargir dans ce sens, donc à ce qu'on appelle la PMA, la procréation médicalement assistée, pour que des couples de personnes homosexuelles puissent avoir des enfants, mais cela ne pourra concerner que les femmes. Et on voit bien que pour ne pas faire de discrimination, on pourra en venir à ce qu'on appelle la gestation pour autrui, la GPA, pour que les couples homosexuels masculins aient finalement les mêmes droits que les autres. Alors cette pratique avait été vraiment clairement rejeté en 2010, avec l'occasion de la loi de bioéthique, y compris d'ailleurs par la majorité présidentielle actuelle. Et le motif en était que c'était gravement attentatoire à la dignité de la femme. Donc ce que nous disons, c'est qu'il n'est pas bon d'instaurer ce qui progressivement pourrait devenir comme un droit à l'enfant, mais surtout de réfléchir au droit des enfants, de pouvoir se référer à un père et une mère bien identifiés, de grandir aussi dans une famille elle-même bien identifiée, car c'est bien la socialisation qui est en jeu dans le fait de pouvoir grandir dans une famille. Et ne pensons pas que la référence biologique soit quelque chose qu'on puisse, comme cela, rayer d'un trait de plume. C'est aussi, je trouve, un enjeu important de toutes ces discussions. La question fondamentale du respect de la réalité sexuée, de l'altérité entre l'homme et la femme. Et je pense que ne pas reconnaître la différence sexuelle n'est pas une attitude réaliste. Ça contredit d'ailleurs au passage un certain nombre de combats qui sont menés aujourd'hui sur la parité entre l'homme et la femme. Et dans l'expérience humaine, seule la relation d'amour entre un homme et une femme peut donner naissance à une nouvelle vie.
Et pour l'Église, cette relation garde un caractère sacré. L'Église lui reconnaît un statut tout à fait particulier. C'est d'ailleurs le fondement de la morale sexuelle de l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église a un tel discours sur l'acte sexuel? Eh bien parce qu'en lui-même, il a bien sûr sa valeur, mais il a surtout une finalité qui est de donner la vie. Et Pape Paul VI, qui avait été très attentif à cette question, avait justement dans l'encyclique Humanae Vitae, eh bien eu de très beaux développements sur l'importance de l'acte sexuel comme ordonné à le fait de donner la vie à un être humain. Donc pour chacun d'entre nous, pour chacun des auditeurs, le fait d'être né d'un homme et d'une femme, eh bien c'est vraiment notre origine commune, c'est notre appartenance à la condition humaine. Au cours de la conférence du mois de novembre dernier, quelqu'un disait que peut-être un jour on arriverait à fabriquer des enfants en dehors de cette relation humaine entre un homme et une femme. On serait sans doute devant un formidable progrès technique, mais sûrement aussi devant une formidable régression humaine. Voilà un petit peu les deux grands arguments que l'Église propose, parce qu'elle a depuis le début encore une fois demandé un débat. Cette question de l'institution du mariage civil comme structurant de la société et de la vie pour les enfants et leur éducation. Et puis voilà, de ne pas transformer le droit des enfants en un droit à l'enfant qui serait aussi lui une pratique très déshumanisante. Alors je voudrais rajouter un troisième point qui n'est pas du même ordre, mais que l'Église apporte avec beaucoup d'attention, c'est qu'il ne faut jamais associer cette position de principe sur la question du mariage des enfants à un quelconque jugement sur des personnes ou sur des situations particulières. C'est vrai que le débat qui s'est ouvert a braqué le projecteur sur la situation des personnes homosexuelles et sur les discriminations dont elles se sentent parfois victimes. C'est une question en elle-même qui est importante et il est bon de la regarder en face avec beaucoup de respect et d'attention. J'ai souvenir des paroles du cardinal 23, rejetant, car c'est un péché, l'homophobie est un péché, mais la solution à ces questions importantes ne va pas se résoudre avec la reconnaissance d'un éventuel mariage que, d'ailleurs, au passage, on peut dire beaucoup de personnes homosexuelles ne demandent pas particulièrement. Ce qu'ils demandent, c'est souvent la protection juridique et patrimoniale pour les enfants qui sont élevés dans un couple de personnes de même sexe. Et là, il y a certainement des aménagements que le législateur peut sans aucune difficulté apporter, mais cela ne demande pas de toucher d'une façon encore une fois très substantielle cette définition traditionnelle du mariage. Alors encore une fois, l'Église ne mène pas de combat contre des personnes qu'elle respecte infiniment, mais elle exprime une position qui est sa conception de la conjugalité, du mariage, de l'éducation, et elle le fait encore une fois dans le souci du bien commun de toute la société. L'Église, je pense, ressort de ce débat avec un grand désir, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire passer aussi comme message, un grand désir d'annoncer et de proposer la bonne nouvelle du mariage, la bonne nouvelle de la famille, et aussi, et cela n'est pas du tout contradictoire, c'est des valeurs de respect et d'accueil de la différence, mais voilà, c'est des enjeux qui sont vraiment essentiels. Un certain nombre de chrétiens d'ailleurs se mobilisent et je les encourage. Il y a vraiment un enjeu de société devant lequel il nous faut nous tenir avec beaucoup de résolution et ne pas non plus sous-estimer la force de la prière dans ce domaine. Merci Monseigneur pour toutes ces réflexions. Alors c'est vrai qu'on a déjà quelques réactions par internet. Pour ceux qui nous suivent en direct sur le site du diocèse de C, www.orne.catholique.fr, qui suivent cette soirée jusqu'à 22h en direct vidéo. Et puis ceux qui écoutent sur les ondes de RCF 61 en direct peuvent aussi appeler le standard. On vous répondra et on prendra votre question. Le numéro de téléphone, le 02 33 80 20 61, 02 33 80 20 61. Alors j'ai déjà manqué quelques réflexions au début. En fait, il y a des réactions dès le début, pendant que vous parliez du temps de Noël. Alors je lis quelques réactions d'internautes. Bonsoir Monseigneur et merci de venir. Un message d'Alençon. Tant de l'avant, tant de préparation à l'arrivée de Dieu auprès de nous, comment percevoir dans le monde qui nous entoure et l'actualité quotidienne, l'espérance de la venue du Sauveur? Donc c'est une question peut-être à laquelle vous pouvez répondre
tout de suite, avant de parler du mariage pour tous. Donc je répète, comment percevoir dans ce monde qui nous entoure et l'actualité quotidienne l'espérance de la venue du Sauveur? C'est effectivement une très bonne question, parce que peut-être pour certaines personnes qui voient Noël un peu comme une fête simplement pour les enfants, un petit peu comme un conte merveilleux qui nous réjouirait quelques heures et puis après la dure réalité va reprendre. Je pense que la réponse, elle se situe dans l'évangile, puisque on voit que lorsque Jésus lui-même est venu, eh bien, ils n'ont pas été non plus très nombreux à se retrouver dans cette étable de Bethléem. D'ailleurs, tout se passait dans une petite bourgade. L'actualité, j'allais dire, est se situer à Jérusalem ou dans d'autres grandes villes. Et donc, l'importance de se poser, de s'arrêter, de regarder, d'où mon invitation tout à l'heure à contempler la crèche. Et cette contemplation de la crèche peut aussi modifier notre regard, parce que on a un petit peu comme un matraquage, disons, de mauvaises nouvelles, de choses qui ne vont pas bien, et à la longue, on finit par être un petit peu démoralisé sur l'état du monde ou de la société. Alors, de fait, il y a de réels problèmes et de réelles souffrances. Hein. La crise économique dont on parle souvent n'est pas du tout quelque chose qu'il faudrait oublier ou mettre entre parenthèses pendant le temps de Noël. Mais en même temps, ce regard sur l'enfant de Bethléem peut aussi nous amener à porter un autre regard sur ce que nous vivons, les personnes que nous côtoyons, les initiatives qui se prennent. Et je sais que comme évêque, j'ai peut-être la grâce épiscopale, mais l'occasion de rencontrer, alors ça se fait discrètement, ça se fait un petit peu à l'image de la naissance du Sauveur, dans une certaine humilité, dans une certaine discrétion, hein, c'est un peu caché aux yeux du monde, mais comment nous savons ouvrir les yeux et reconnaître, peut-être tout près de chez nous, eh bien, tous ces actes de foi, tous ces actes de service. Hein, nous sommes aussi dans la grande démarche de Diaconia 2013. C'est aussi à cela que Noël nous invite, voilà, à changer notre regard, parce que, non pas simplement pour positiver d'une façon simplement humaine, mais au nom même de cette venue paradoxale et étonnante du Sauveur dans notre humanité. Voilà, alors encore quelques réactions sur Noël avant de passer au sujet du mariage pour tous que vous venez de développer il y a quelques minutes. Un internaute, je lis, merci à RCF pour cette initiative de nouvelle communication avec vous, Monseigneur Haber, pour Noël. Vous venez chez nous parler de Noël. Que pensez-vous de cette nouvelle façon de communiquer avec? Bon, je pense que vous l'avez dit en introduction. Hein. Oui, ben, nous avons des moyens nouveaux, donc il faut les utiliser, hein. Ce sont encore une fois des moyens, hein, qui sont merveilleux, qui peuvent aussi des fois entraîner un certain nombre de dérives, mais voilà, l'Église a toujours voulu, lorsque l'imprimerie s'est développée, lorsque la télévision ou la radio se sont développées, maintenant il y a d'autres moyens, et Saint Paul nous dit que l'important c'est que la bonne nouvelle soit annoncée. Après, les moyens que nous prenons, ben, voilà, s'adaptent aussi à la société et à l'époque dans laquelle nous sommes, donc c'est vraiment une très bonne initiative, et je suis très heureux de l'inaugurer ce soir avec vous. Voilà. Un autre internaute qui vient de nous dire, c'est pas facile de trouver la fenêtre chat, puisqu'il faut chatter pour poser une question. Alors pour ceux qui n'y arrivent pas, sur la page de vidéo, c'est marqué directcatholique.fr en haut à gauche. Et sur la droite, vous avez deux petits onglets en haut à droite, l'un marqué vidéo, l'autre chat. Eh bien, vous cliquez sur chat et vous verrez les questions apparaître. Et il suffit de remplir le petit rectangle sous le mot audience, tout en bas des questions. On va écouter un petit peu de musique maintenant, pendant que d'autres internautes ou d'autres auditeurs de RCF 61 veulent continuer à poser des questions au sujet, cette fois-ci donc du mariage pour tous. Vous appelez le standard de RCF 02 33 80 20 61. Il est 21h34. Il nous reste 25 minutes. On peut rester sur ce sujet qui est important. Et puis les internautes, ne manquez pas de poser des questions. Alors je vous propose comme pause musicale un extrait de l'album CD aux ateliers Dufresne intitulé Exultons de joie. C'est le CD composé par Anne-Marie Hu, bien connue des Ornais, des Alençonnais, des chants dédiés tout spécialement au bienheureux Louis et Zélie Martin. Puisque nous sommes à Alençon, nous en profitons, peut-être une idée de cadeau de Noël, et on écoute justement le titre Exultons de joie. Oh,
Et toujours en direct sur les ondes de RCF 61 pour cette soirée de la foi. C'est une première dans le diocèse de C, en direct sur les ondes de RCF et aussi en direct vidéo sur le site internet du diocèse de C et sur www.directcatholique.fr. Alors Monseigneur Hébert, vous nous avez parlé pendant une bonne dizaine de minutes du projet de loi, enfin du mariage pour tous, de ce thème. Quelques questions viennent de nous arriver, alors je vous lis la première. Monseigneur, est-ce que vous nous engagez à aller participer à la manifestation du 13 janvier à Paris ? Et dans la même question, en ces temps, ne faut-il pas se mobiliser sur d'autres choses plus concrètes ? Oui, ben ce sujet est assez concret, donc puisqu'il s'agit d'un projet de loi qui pourrait advenir à la fin du mois de janvier, donc il y a une certaine urgence, si vous voulez, certaines personnes se disent, mais pourquoi finalement concentrer autant d'efforts sur cette question ? Mais parce qu'elle a un caractère d'urgence et beaucoup aussi disent qu'une fois qu'une loi est passée, eh bien revenir dessus est pratiquement très très difficile. Alors, dans son message du mois de novembre dernier, le cardinal 23 disait d'ailleurs au nom même, on peut dire, de non pas simplement de Vatican II, mais c'est vrai que Vatican II y a beaucoup insisté, hein, chaque chrétien, de par son baptême et sa confirmation, doit se sentir un membre actif de l'Église et de sa mission. Et donc le cardinal invitait les chrétiens à se manifester. Alors ça pouvait prendre des formes différentes. Certains l'ont d'ailleurs confié, ont écrit aux élus, que ce soit les députés, sénateurs ou les maires. D'autres ont participé à des débats et ou ont pu en engager dans leur lieu de travail. D'autres vivent dans une réelle fidélité, hein, des temps de prière, des temps aussi de jeûne, hein, en lien avec cette action. Et puis il y a ces manifestations, donc une qui a déjà eu lieu en mois de novembre, et puis une grande manifestation qui est prévue le 13 janvier prochain. Je sais que beaucoup de chrétiens du diocèse veulent y aller, donc je les y encourage, hein, parce que ce sera, si c'est dans la tonalité du mois de novembre et tout sera fait pour, ce sera une manifestation qui sera vraiment avec un caractère très familial, très, j'allais dire presque bon enfant, pour manifester dans un pays démocratique que nous avons la chance d'avoir en France, eh bien, l'opposition à un projet. Donc ça me paraît être un élément voilà, qui peut compter dans le débat. Hein, il y en a d'autres, encore une fois, je viens de les évoquer. Mais tous ceux qui participeront à cette manifestation du 13 janvier prochain, eh bien, ils le savent, ils sont encouragés par leurs évêques, en tout cas. C'est mon cas. Maintenant, voilà, ne sous-estimons pas non plus les autres moyens qui sont à notre disposition. Alors, une autre question. Un enfant doit être accueilli en premier lieu, en plus d'être désiré. Dans le vocabulaire, on parle de plus en plus de faire un enfant, med en anglais, et non pas d'avoir un enfant. Est-ce la théorie du genre ? Alors, pas exactement, parce que la théorie du genre, c'est un petit peu, en simplifiant à outrance, parce que c'est plus compliqué que cela, mais l'idée que finalement, notre nature biologique qui est la nôtre, d'être un homme ou une femme, est second par rapport au fait de prendre soi-même la décision de dire je suis plutôt du genre masculin ou du genre féminin. De fait, l'expression de faire un enfant n'est pas une belle expression, parce que un enfant, ça se reçoit, un enfant, ça se désire, mais on n'est pas dans l'ordre de la fabrication. Et j'évoquais tout à l'heure un éventuel progrès, peut-être un jour, de pouvoir fabriquer des enfants. Et rien que cette expression nous fait froncer les sourcils, parce que c'est vraiment quelque chose d'un peu impensable. Hein, et de même qu'on ne fabrique pas un enfant, eh bien, on n'a pas le droit d'avoir un enfant simplement parce qu'on en désire un. On peut imaginer un certain nombre de personnes célibataires qui veulent avoir des enfants. Et encore une fois, nous parlons de tous ces sujets avec beaucoup de précautions, parce qu'il y a souvent des souffrances profondes qui sont derrière ces désirs. Mais voilà, le fait de vouloir un enfant ne suffit pas à pouvoir en acquérir un, comme on pourrait acquérir un bien matériel. Voilà, donc essayons de garder à la vie cet aspect de mystère. J'avais un beau livre du pape Jean-Paul II, il parlait de sa vocation, don et mystère. Eh bien, je crois qu'on pourrait dire pareil pour un enfant. Un enfant, c'est un don et un mystère. Et pour ma part, ayant accompagné pas mal de jeunes couples, ou ayant préparé beaucoup d'enfants au baptême, enfin, célébré les baptêmes de petits-enfants, eh bien, j'ai toujours très impressionné de voir des gens qui se sont mariés, qui ont mis toute leur énergie à préparer leur mariage, pour qui c'était vraiment un jour
essentiel. Et puis, quelques mois, quelques années après, ils ont un enfant et ils sont finalement complètement dépassés par l'événement. Et ils comprennent que finalement, c'est un don qu'ils ont reçu, même si c'est eux qui ont fait cet enfant. C'est un don qu'ils ont reçu. C'est une responsabilité aussi considérable et une grande joie en même temps. Voilà, on est dans l'ordre du mystère. On est dans l'ordre de ce qu'est la vie humaine. Et on ne peut pas trop pouvoir imaginer avoir une emprise qui serait de l'ordre technique ou matériel sur ces réalités. Hein, c'est tout ça qui est en jeu derrière les questions qui sont actuellement débattues autour de ce projet législatif. Alors, pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions, Monseigneur Habert, dans cette soirée en direct. Il nous reste, je regarde jusqu'à 22h, un petit quart d'heure. Je vous propose une troisième pause musicale. On revient toujours sur ce CD du groupe Push que l'on peut offrir à ses amis pour le temps de Noël. Il est encore temps. Opération étoiledenoël.com. On parlait des enfants à l'instant. Eh bien, on va écouter Mon enfant par le groupe Push. J'ai trouvé la paix, car je connais le Père, le Créateur de l'univers. Et lorsque je le prie, il vient en mon cœur et à mon oreille, il me dit: mon enfant, tu es précieux et je t'aime. Mon enfant, tu es précieux et je t'aime. Jésus, mon ami, j'ai confiance en toi, tu as donné ta vie pour moi. Je ne suis jamais seul, ton esprit me conduit et à chaque instant me redit: mon enfant, tu es précieux. Écoutez RCF dans l'Orne à Alençon
sur 93.8, à La Ferté-Massé sur 102.2 et à Flers sur 103.8. Et en direct sur RCF 61, les soirées de la foi en compagnie de Mgr Jacques Habert, évêque du diocèse de C. Une première dans le diocèse, une première soirée en direct, en duplex avec la radio RCF 61 et avec la web TV du diocèse de C en direct vidéo sur le site du diocèse, donc www.orne.catholique.fr. Alors, je pensais qu'il y avait plus de questions sur le mariage pour tous, Mgr Habert, mais il nous reste qu'il y a encore du temps pour répondre à ceux qui viennent de nous les poser justement là par internet. Alors je les découvre en même temps que vous. À l'occasion du mariage pour tous, les chrétiens divorcés peuvent-ils aujourd'hui souhaiter que l'Église les accueille une seconde fois tout simplement comme les orthodoxes? Donc c'est plus une question de foi par rapport aux catholiques ou orthodoxes. Oui, c'est-à-dire que là c'est la question sur la... l'accès à la communion des divorcés remariés, je pense que c'est ça la question. Oui, les oui. chrétiens divorcés peuvent-ils aujourd'hui souhaiter que l'Église les accueille une seconde fois, oui. Mmh. Ben, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien direct avec la question du mariage pour tous, c'est-à-dire voilà. que cette question est très présente. Hein. Moi, j'ai bien vu dans mes visites pastorales combien elle revenait très régulièrement. Je vois bien qu'elle est source d'interrogation, de souffrance, mais aussi de conversion. Hein, c'est, si vous voulez, c'est un petit toujours un peu l'amulé, c'est de protéger le mariage. Alors là, on n'est plus dans simplement le cadre du mariage civil, mais dans le cadre du mariage sacramentel, hein, des paroles de Jésus qui sont voilà, qui nous sont données, hein, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et donc c'est la raison pour laquelle l'Église non pas voudrait sanctionner ceux qui auraient échoué et qui se seraient remariés, mais plutôt magnifier et exalter ce sacrement du mariage qui est un engagement à la fois très beau mais en même temps exigeant. Donc quand on célèbre un mariage et que l'on est prêtre ou quand on est fiancé et qu'on se marie, eh bien on a vraiment le sentiment qu'on fait un acte unique. Alors après il peut y avoir des accidents qui font que voilà, la vie commune n'est plus possible et du coup on va, selon une expression qui n'est pas toujours simple, refaire sa vie. Hein, et l'Église accueille évidemment les couples divorcés et remariés. La question de l'accès à la communion pose d'autres problèmes. Hein, mais je ne vois pas forcément un lien entre cette question qui, encore une fois, est importante en elle-même et puis ce débat sur le mariage des personnes voilà. homosexuelles qui, en plus, seraient dans le strict cadre du mariage civil. Là. Voilà, là, on est dans le cas plutôt du mariage religieux. Alors, autre question. Alors, un coucou d'abord à ceux qui nous suivent depuis Argentan, puisque certains nous signalent qu'ils nous suivent à Argentan. Il existe de fait des enfants dans des familles homosexuelles et aujourd'hui, ils ne sont pas protégés. Le mariage pour tous va y remédier. Faut-il vraiment s'y opposer? Il s'agit de justice. Donc, quelqu'un qui est pour le mariage pour tous. Mmh. J'évoquais cette situation tout à l'heure, hein, qui est de fait. Alors, les chiffres sont assez différents. Certains disent que c'est 30 000 enfants, d'autres 200 000. Hein, alors, peut-être c'est à se situer un petit peu entre les deux. Ces enfants, évidemment, il faut les considérer, il faut les protéger, il faut qu'un certain nombre de dispositions législatives soient faites en leur faveur. Et le législateur peut tout à fait le faire. Mais on n'est pas obligé de passer par le prisme du mariage pour que ces situations, encore une fois, tout à fait respectables et en tout cas qui doivent attirer notre attention, puissent être résolues. Hein, alors là, je ne suis pas du tout, je ne suis plus juriste, même si j'ai fait quelques études de droit, mais les juristes disent que voilà, il y a vraiment des pistes très, très fécondes et qui pourraient, j'allais dire, sans trop de difficultés, arriver à résoudre ces problèmes qui, de fait, sont de réels problèmes. Alors, encore une question, ce sera peut-être la dernière pour ce soir, sauf si quelqu'un veut encore nous en envoyer une. Comment arriver à motiver les chrétiens et autres personnes qui sont contre le projet, mais qui ne veulent pas participer aux manifestations sous prétexte que ça ne va rien changer ou même qu'il fera froid? Ben, si, oui. Il fera peut-être froid. Encore qu'elle ne va pas se dérouler dans l'ordre, cette manifestation. Non, sérieusement, c'est vrai que je crois qu'il y a deux risques que les personnes, des fois, mettent en avant pour ne pas aller à la manifestation. C'est de dire qu'il risque d'y avoir une récupération politique. Et donc, voilà, c'est un argument qu'il faut entendre. Et le deuxième risque, c'est de dire, est-ce que dans cette manifestation, un certain nombre de slogans un peu
homophobes ne vont pas être proférées. Et voilà, des gens disent, moi, je ne pourrais pas participer à un tel défilé. Alors, dès que l'on fait quelque chose, évidemment, on prend un risque. Hein, quand on ne fait rien, on ne prend aucun risque. Vraiment, les organisateurs de ce qu'on appelle cette organisation, la Manif pour tous, hein, vraiment font très attention de ne pas ni la politiser, ni même lui donner un caractère confessionnel. Hein, ce ne sont pas les évêques qui organisent cette manifestation, ce ne sont pas des prêtres, ce ne sont pas ni les musulmans, ni les juifs. C'est un collectif, la Manif pour tous. Et donc, voilà, je pense que si ces deux garde-fous sont bien respectés, à savoir pas de récupération politique, même si certains partis politiques seront présents, pas de propos homophobes, c'est une manière vraiment très, très traditionnelle pour le coup de se manifester, hein, quand on est en démocratie, que d'aller manifester dans la rue. Hein. Alors, de dire que ça ne changera rien, ce n'est pas sûr. Bon, on cite souvent l'exemple de ce qui s'est passé en 1984, hein, sur la loi sur le grand service public unifié. La comparaison, d'ailleurs, n'est pas forcément judicieuse, parce que c'est vraiment un cas de figure très différent. Mais de fait, on sait que un gouvernement, un pouvoir législatif ne peut pas être indifférent à ce que pense l'opinion publique, et elle se manifeste notamment par des manifestations. Donc ne pensons pas a priori que ça ne servira à rien. Je pense plutôt le contraire. Si vraiment il y a massivement du monde le 13 janvier, je pense que ça fera bouger des lignes, et donc ce n'est pas du tout à sous-estimer, bien au contraire. Merci, Monseigneur Haber. La soirée touche à sa fin. Je vous propose qu'on remercie tous ceux qui nous ont suivis ce soir sur les ondes de RCF 61 et en direct vidéo sur Internet. Vous étiez quelques dizaines à nous suivre. Il y en a même qui vous suivent de Brest. Vous voyez, on a des messages. Ça doit être des Bretons qui vous apprécient. Je vous propose qu'on prenne un tout petit temps de prière sur un fond musical avec ceux qui nous écoutent. Peut-être une petite méditation. Et puis on terminera en disant tous ensemble avec ceux qui sont derrière leur poste radio ou derrière leur ordinateur en disant à notre Père. On va écouter un tout petit peu de musique et puis on prend un temps de prière. Merci en tout cas, Monseigneur Haber. Merci à tous de votre initiative et de votre attention et de votre écoute. Seigneur, nous te rendons grâce car dans quelques jours, tu vas nous donner de vivre cette grande joie de Noël. Donne-nous de la vivre comme si c'était la première fois que nous nous retrouvions auprès de cette crèche. Donne-nous de la vivre en pensant à tous nos frères et sœurs qui seront peut-être plus isolés ce jour-là, en pensant aussi à tous ceux qui ne te connaissent pas. Et fais que ce temps de Noël qui s'ouvrira alors nous donne de grandir dans la foi, nous donne de grandir dans la confiance, dans l'assurance de ta présence et dans un rapport aux autres qui soit toujours plus fraternel et toujours plus dans une attention notamment aux plus démunis. En venant parmi nous, tu nous révèles que c'est ton Père qui t'a envoyé. Et c'est vers lui que tu veux nous conduire. Alors en nous préparant déjà à cette grande joie de Noël, nous pouvons reprendre la prière que tu nous as donnée lors de ta venue parmi nous. Et avec tous ceux qui veulent la dire avec nous. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Eh bien, grand merci à tous. Bonne soirée, bon retour, Monseigneur Haber. Et puis, on vous donne rendez-vous dans un mois pour une nouvelle soirée de la foi, la deuxième de l'année. Ce sera le mercredi 23 janvier. Donc, retenez bien cette date, mercredi 23 janvier. Et puis, il y a les remerciements qui arrivent encore par chat sur Internet. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée, bonne fête.